Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Malika Adelson. Elle est infirmière libérale. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de votre formation, de votre métier. Aujourd'hui, vous êtes infirmière libérale, mais vous ne l'aviez pas toujours été. Non. Alors, j'ai été infirmière urgentiste pendant 7 années. Et puis là, ça fait 8 ans que je suis infirmière libérale. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette profession ? Alors, au départ, je voulais être puéricultrice. Je me disais que ça aurait été bien de travailler avec les enfants. Je suis revenue en Guyane en 2005, après avoir eu mon bac à Reims. Et donc, j'ai passé le concours et donc j'ai été prise à l'IFSI de Cayenne. Et c'est vrai qu'après avoir fait un stage en pédiatrie, je me suis dit non, il faut avoir le cœur accroché pour pouvoir prendre en charge des enfants malades. Donc, je suis restée sur le cursus infirmière, tout simplement. Ce qu'il faut souligner, c'est que votre formation, vous l'avez suivie principalement ici, en Guyane. Oui, c'est ça, en Guyane. Une formation qui a duré combien d'années ? 3 ans. Votre premier poste, ça a été à l'hôpital ? C'est ça, donc mon premier poste, ben, je ne voulais pas forcément être puéricultrice, mais j'ai travaillé 1 mois en pédiatrie, ce qui m'a donné certaines bases au niveau de la pratique avec les enfants. Et puis ensuite, je suis allée travailler aux urgences de Cayenne. Et ça a été une belle expérience, en tout cas. Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler à l'hôpital quand on est infirmière ? Je vous poserai la même question pour le libéral, mais d'abord pour quand on est dans une entreprise ou dans un centre hospitalier. Alors l'avantage de travailler dans un milieu hospitalier ou en clinique ou autre, c'est de travailler en équipe, d'avoir des professionnels de santé, une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, avec des aides-soignants et autres. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une prise en charge qui soit très globale du patient. Les inconvénients, effectivement, hein, on a des horaires qui ne sont pas toujours faciles. Il faut pouvoir concilier la vie de famille. Donc voilà, après, ce n'est vraiment pas le même métier, c'est pas la même profession, je dirais, la même prise en charge plutôt du patient, que ce soit au niveau hospitalier, par rapport aux urgences, par rapport à ce que moi j'ai vécu et à domicile. Le fait de devenir infirmière libérale, ça faisait partie de votre plan professionnel ? Alors là, non. Au départ, pas forcément. J'espérais après à passer le concours de cadre. Et puis j'ai eu ma petite fille. J'ai des collègues qui m'ont proposé de venir en libéral. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est une autre prise en charge. C'est au domicile du patient, c'est une autre proximité. Donc pourquoi pas essayer. Et puis si vraiment je n'aime pas, je retournerai éventuellement à l'hôpital où je ferai autre chose, dans d'autres services. Donc maintenant, cela fait 8 ans que vous êtes infirmière libérale. Qu'est-ce qui a été le plus dur les premières années ? Le plus dur ? De laisser ma petite fille de 5 mois. Voilà, et de travailler tous les jours non-stop, de ne pas avoir de repos. Parce que quand on est en semaine libérale, on n'a pas forcément une patientèle qui nous permet de pouvoir, de pouvoir avoir des repos, puisque il faut quand même vivre. Donc ça a été surtout ça. C'est la vie de famille qui ça a été difficile. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes totalement rodée ? Oh, il y a toujours des moments difficiles. Hein. C'est toujours compliqué à gérer avec les enfants. En tout cas, heureusement que je suis bien entourée au niveau familial. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je travaille avec un binôme. Donc je le remercie de cette collaboration et donc on travaille 1 semaine sur 2, ce qui permet de dégager du temps pour la famille et puis surtout aussi pour les autres activités. Parlez-nous d'une journée normale de travail, si je puis dire. Alors, en tant qu'infirmière libérale. Tout à fait. Le matin, on se réveille tôt, on prépare les enfants, tout le monde part dans la voiture. On passe voir les patients,
Donc il peut y avoir, la journée peut très bien se passer, comme il peut y avoir forcément, on est au contact de personnes malades, de personnes âgées, on a aussi les aléas de la route. Donc c'est vrai que, on sait qu'on part à telle heure, on sait quel créneau à peu près on devrait finir, mais parfois, ça se rallonge et du coup, voilà, la journée, ce sont des soins, c'est de l'organisation, l'organisation des, pardon, l'organisation, l'organisation des soins, passer à la pharmacie pour les patients qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou qui n'ont pas de famille à leur côté, faire éventuellement des démarches, accompagner les patients, où c'est beaucoup d'éducation thérapeutique, c'est beaucoup d'éducation alimentaire, puisque en Guyane, on a beaucoup de patients diabétiques. C'est aussi, moi, j'aime beaucoup les soins palliatifs, donc l'accompagnement en fin de vie. C'est beaucoup d'accompagnement du patient, mais aussi des familles, des aidants, parce que je tire franchement un chapeau aux personnes aidantes qui sont là au quotidien aux côtés des patients. Et puis voilà, c'est parfois il y a beaucoup d'émotions, parfois on serre les dents, parfois il y a des larmes, mais c'est un métier qui est enrichissant. Les larmes, notamment quand il y a un patient auquel on était peut-être attaché, qui s'en va, qui part. Ça peut être ça peut être aussi une prise en charge. Qu'on peut trouver pas forcément optimal, ou on peut aussi voir qu'on a des patients, enfin on a beaucoup de personnes qui vivent dans de grandes précarités, donc il y a des situations qui tiennent, qui prennent vraiment au cœur, où on a ou des enfants, où nous on va dans des quartiers qui sont assez aussi compliqués, donc je tire franchement mon chapeau aussi à tous mes collègues qui sont sur la route, qui œuvrent au quotidien, qui œuvrent aussi dans les différentes institutions pour pouvoir nous permettre d'évoluer dans notre métier. Et puis aussi, voilà, c'est pas toujours facile. Je crois qu'il y a un syndicat des infirmières libérales auquel vous êtes affilié. On en a deux, la FNI et le SNIL. Oui, je suis affiliée comme d'autres collègues. Alors, être infirmière libérale, c'est avant tout de la rigueur dans ses prises en charge, dans ses accompagnements. C'est de la rigueur, c'est de l'empathie, c'est de la patience, c'est de la tolérance, c'est l'amour du prochain, c'est oui, beaucoup de rigueur parce qu'il faut connaître les traitements, il faut aussi pouvoir développer aussi une relation de confiance avec le patient, avec la famille, avec aussi les médecins, parce qu'on travaille aussi avec les médecins libéraux et aussi avec le milieu hospitalier, puisqu'il y a les soins de ville, puis il y a les soins hospitaliers. Donc normalement, enfin, c'est un maillage, c'est une collaboration avec tous ces professionnels de santé. Donc oui, il faut beaucoup de rigueur. Est-ce que cela vous arrive de faire des recommandations aux médecins sur une prescription quelconque qui vous semblerait non appropriée pour un patient? Alors justement, nous sommes les professionnels de santé qui sommes le plus sur le terrain, dans le sens que c'est nous qui sommes au quotidien au chevet du patient, qui voyons l'état de santé du patient évoluer. Donc c'est à nous aussi de faire ce retour au médecin, de dire bon ben voilà ce qui se passe avec le patient, voilà où nous en sommes. Est-ce que vous pensez qu'on devrait peut-être je sais pas, peut-être l'hospitaliser ou peut-être prévoir un bilan, ou est-ce que vous pouvez venir à domicile voir le patient? Voilà, donc oui, c'est notre travail justement en libéral à domicile de pouvoir faire ce relais auprès des médecins. Donc l'information circule de façon descendante et ascendante. On ne vit pas dans le monde, dans un monde idéal. Il y a des choses à améliorer, il y aura toujours des choses à améliorer. Je pense que aujourd'hui les choses évoluent. Il y a quand même de la volonté de faire la profession évoluer. Il y a aussi la volonté d'avoir ce lien, comme je disais, hospitalier et la ville. Donc c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais on essaye au maximum, voilà, de pouvoir faire remonter. Par exemple, si j'ai un patient qui est hospitalisé.
pas plus, par, pas plus tard pardon, qu'hier, je suis allée voir la patiente à l'hôpital, discuter avec les médecins, justement apporter le quotidien du patient au médecin, dire ben voilà comment le patient s'alimente, comment si, enfin voilà, c'est à nous aussi de faire remonter toutes ces informations-là. Beaucoup de jeunes sont attirés par le métier d'infirmier ou d'infirmière, après le baccalauréat notamment, et à l'arrivée, il y en a certains qui déchantent parce que il y a un investissement tel sur le plan physique et psychique qui les pousse à abandonner. Est-ce que vous comprenez cette démarche ? Alors je la comprends totalement, surtout après la crise Covid. Parce que ça a été une période qui a été très compliquée à gérer, que ce soit pour nous en Guyane, voire même dans l'Hexagone et ailleurs dans le monde. Et je peux comprendre qu'au départ, on a un aspect, on voit la profession, on se dit, ah, ben c'est, que ce soit infirmière libérale, ah, ben c'est cool, les infirmières, elles roulent de grosses voitures. Ou les réflexions qu'on a, c'est qu'elles se promènent toute la journée. Non, c'est pas ça. C'est que. Il faut pouvoir donner vraiment de son temps, c'est de l'investissement personnel et émotionnel à certains moments. Et même parfois, il faut on est obligé d'aider parce qu'on a une population qui est en précarité ou une population étrangère. Donc oui, je comprends. Je comprends qu'à un moment donné, il y en a qui ont envie de changer, de voir autre chose parce que c'est prenant. Moi, j'ai... Parce que moi, j'ai l'expérience des deux. Hein. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis infirmière. Donc, 7 ans aux urgences. Honnêtement, je dirais que ce sont aussi les plus belles années de ma carrière parce que c'est là où j'ai vu beaucoup de choses. J'ai pu apprendre énormément de choses sur les pathologies, prendre des prises en charge de toutes sortes, que ce soit un AVC, un infarctus, une embolie pulmonaire... Des enfants qui étaient malades. Et j'ai un membre de ma famille qui la dernière fois, me disait « J'étais aux urgences. » Et franchement, chapeau, parce que j'ai vu l'infirmière qui était là. Il y a eu une dame qui est malheureusement décédée, une personne âgée. Et vous avez cette capacité de passer de la vie à la mort et vice-versa. C'est-à-dire que la patiente, ben, elle est décédée, il fallait prendre en charge parce que bon, ben, nous aussi, nous sommes là pour les préparations quand le patient il décède. Nous qui, avec l'aide, en tout cas au milieu hospitalier, avec l'aide de l'aide-soignant, au domicile, ça peut être souvent nous seuls. Donc du coup, il fallait, donc l'infirmière faisait les soins et puis à un moment donné, elle est repassée de l'autre côté à prendre en charge... le membre de la famille avec le sourire et dit mais comment vous faites pour gérer ça parce que nous sommes obligés, on n'apprend pas ça par contre à l'école, on n'apprend pas à se former cette carapace, on apprend effectivement, on nous explique au niveau déontologique qu'il faut savoir prendre du recul, qu'il ne faut pas trop s'attacher, ok, mais sur le terrain ce n'est pas simple. Est-ce que vous bénéficiez d'un suivi psychologique en tant qu'infirmière libérale ? Oui, alors nous avons l'URPS, infirmiers libéraux, qui du coup, quand il y a des situations complexes ou que nous rencontrons... Je sais pas, il peut y avoir une agression, malheureusement, parce qu'il y a des collègues qui se font agresser ou nous pouvons être confrontés à une situation qui peut être dramatique. Oui, il y a l'URPS qui a eu l'occasion, je remercie encore l'équipe, qui a eu l'occasion de mettre en place un suivi psychologique de façon à ce qu'on puisse exprimer ce que nous ressentis et puis évacuer cela. Vous connaissez des collègues qui ont déjà abandonné pour aller faire autre chose, changer de métier ? Oui, il y a eu des collègues qui sont retournés soit à l'hôpital, il y a eu des collègues qui ont décidé tout simplement de faire autre chose dans n'importe quel autre domaine. Pourquoi ? Bah parce que nous sommes une profession libérale, donc nous avons aussi des charges qui sont assez importantes.
Donc, au fil des années, la vie, elle devient de plus en plus difficile avec l'inflation, avec les augmentations des charges. Il faut aussi pouvoir tenir le coup. Donc, il y a un moment donné où soit on a envie d'avoir une tranquillité d'esprit, parce que si nous sommes une petite entreprise, une entreprise individuelle, donc quand ça devient trop lourd à gérer, on peut décider aussi de passer à autre chose. Ça rejoint un petit peu la question que je souhaite vous poser maintenant, à savoir comment arrive-t-on à se projeter quand on est infirmière libérale? Quels sont les débouchés pour une infirmière libérale voilà, dans la vie civile ou autre? Les débouchés, c'est-à-dire au niveau professionnel? Oui, tout à fait. Alors nous avons la possibilité de nous former, puisque maintenant, il y a la formation d'IPA, c'est l'infirmière en pratique avancée, c'est une nouvelle formation qui nous permet d'acquérir un master, master 2. Il y a la possibilité aussi de se former au quotidien, pour diverses, par exemple, moi, je me suis formée aux bases de l'hypnose. On peut aussi partir sur une spécialité. On a aussi, par rapport au fait que nous cotisons à l'URSSAF, nous avons droit à 2 formations par an, qui sont quand même obligatoires. Donc nous devons aussi toujours nous former de façon à être au fait des évolutions de notre métier. Et puis avec tous les réseaux, avec les associations, avec la... Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de e-learning. On a quand même des ouvertures. On a cette possibilité aujourd'hui de pouvoir ouvrir un petit peu le champ des compétences. Est-ce que l'offre en termes d'effectifs d'infirmières libéraux ou d'infirmiers libéraux et d'infirmières libérales sur le marché est suffisante pour faire face à la demande en termes de, au niveau des patients? Alors peut-être sur l'île de Cayenne, je dirais relativement oui. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais parce que je peux regarder par rapport à nos différents groupes WhatsApp où nous échangeons. Il manque quand même des infirmiers libéraux, que ce soit sur l'intérieur de la Guyane, que ce soit en montant sur Sainte-Marie peut-être. Il en manque quand même. C'est vrai que nous sommes très concentrés sur l'île de Cayenne et sur le littoral. Cela se comprend par rapport à la démographie que l'on a sur le littoral, et puis ce qui vous garantit peut-être également une certaine clientèle. Alors clientèle, j'aime pas, patientèle, je préfère, parce que ce sont des patients quand même. Même si oui, ce sont des patients et voilà, nous sommes rémunérés par rapport au nombre de patients et des actes que nous faisons. Il y a quand même l'intérieur de la Guyane, que ce soit par exemple Maripasoula ou d'autres communes où il y a quand même une population présente. Le problème, c'est que certainement, ce sont peut-être les conditions aussi de vie qui ne sont peut-être pas forcément simples. Je tire mon chapeau à mes collègues qui s'investissent là-bas. Quand on a effectivement notre foyer sur Cayenne, on a une vie de famille, c'est peut-être plus compliqué de se dire « je vais aller de l'autre côté ». Mais moi, j'avoue que j'aimerais énormément peut-être pouvoir, même si ce sont des vacations, pouvoir partir, remonter, faire le Omaroni, peut-être pour pouvoir prendre en charge, pour faire même des missions, bon, je dirais pas des missions humanitaires, mais parce qu'on est quand même sur le sol français, mais pouvoir voir autre chose, effectivement. Parfait. Et puis, on peut parler également de la vigilance dont vous devez faire preuve à tout instant vis-à-vis de vos patients. Être tout le temps en alerte et à l'écoute. À l'écoute, oui, à l'écoute, parce que finalement, nous sommes les professionnels de santé qui sommes, encore une fois, au chevet du patient. Donc, c'est vrai que quand je travaille, quand c'est ma semaine de travail ou que finalement on n'arrête jamais de travailler parce que soit on a des appels, il peut y avoir une urgence la nuit, moi je demande aux patients de m'appeler, de me dire parce que j'aime pas arriver le matin et de savoir que la patiente a été hospitalisée ou au moins de m'envoyer un message, de me dire, de m'informer de façon à ce que je puisse réagir. Je sais que je suis
de tournée, entre guillemets, de garde. Donc oui, on est sur le qui-vive en général. Et puis peut-être un dernier pilier qu'il faut souligner, c'est la technicité. Un infirmier, une infirmière, c'est quelqu'un qui maîtrise une certaine technique, qui est liée à son métier, et puis liée peut-être aussi à sa formation. Alors, les soins que nous faisons à domicile ne sont pas forcément les mêmes, ne sont pas du tout même les mêmes que ce qu'on fait, les soins que nous faisons dans le milieu hospitalier. Donc c'est vrai qu'au niveau technicité, je dirais que on perd un petit peu quand même, parce que il y a pas d'intubation, il y a des gros soins que nous ne faisons pas. C'est vrai que nous prenons en charge des patients, que ce soit diabétique ou pose de perfusion ou autre. C'est beaucoup, beaucoup de relationnel, énormément de relationnel. C'est surtout ça. Oui, donc c'est le rapport de confiance. Il faut que ça rentre dans le schéma thérapeutique même du patient. C'est cette confiance aveugle, je dirais même, entre le patient et le professionnel. Alors peut-être pas aveugle, parce que je ne demande pas à ce qu'on me fasse confiance de façon aveugle. Parce que justement, je suis là pour éduquer, je suis là pour faire de l'éducation, pour faire de la pédagogie au niveau des soins et sur la pathologie du patient. Donc pas aveugle, parce que l'erreur, elle est humaine. Je ne dis pas que nous faisons... Voilà, il peut se passer n'importe quoi, mais que le patient sache, qu'il se prenne en charge, qu'il ne soit pas... totalement dépendant de nous, et qu'ils prennent en charge sa pathologie. Et ça, c'est important, que ce soit le patient ou que ce soit la famille, parce que finalement, notre rôle aussi, c'est de faire beaucoup de prévention autour de la population pour éviter qu'il y ait des complications graves qui amènent justement à ce qu'on soit hospitalisé. Justement, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, il n'y a pas que le volet préventif, il y a aussi parfois du curatif. Oui. Le curatif et le palliatif. Voilà, il y a le palliatif. Et aujourd'hui, la population, je pense que l'espérance de vie, elle a augmenté. Les lits d'hôpitaux n'augmentent pas forcément. Donc, nous devons être là pour pouvoir permettre aux patients ou la population de pouvoir rester à domicile. Et je pense que quelqu'un qui est à domicile est mieux, et que ce soit psychologique, que ce soit physique, entre guillemets. Et donc ça permet de maintenir finalement une façon de vivre ou une espérance de vie, quoi. Il est mieux à domicile, même quand il ne bénéficie pas du même suivi qu'il aurait pu avoir à l'hôpital ou dans une clinique. Il y a l'hospitalisation à domicile. Voilà, donc l'hospitalisation à domicile, où nous intervenons... parce que nous signons des conventions avec les deux structures qui proposent cela. Donc oui, il y a l'hospitalisation à domicile. Après, c'est vrai qu'on ne va pas mettre le patient en danger. Si vraiment il faut qu'il ait une surveillance beaucoup plus rapprochée, parce que quand nous sommes partis et qu'on nous appelle, on a le délai de la route, on ne sait pas qui peut se passer sur la route. Donc c'est vrai que... Moi, j'aime à dire que quelqu'un qui se sent bien dans sa tête a de meilleures chances aussi de pouvoir aller vers une meilleure prise en charge. Après, encore une fois, nous ne vivons pas dans un... Le métier d'infirmière, pour vous, c'est une vocation? Vous aviez toujours rêvé de faire ça? Honnêtement, je ne me souviens pas. Quand on me demandait ce que je voulais faire, je savais pas trop ce que je voulais faire. Après, oui, je pense que c'est une vocation. On ne fait pas ce métier si on n'aime pas les gens, si on n'a pas une certaine sensibilité, si on n'aime pas le contact humain, si on n'est pas dans l'empathie. Oui, c'est une vocation, parce que, en tout cas pour ma part, quand j'essaye de prendre en charge le patient, je me dis ça peut être ma famille. Et demain, si je ne suis pas là, j'aurais aimé qu'on prenne en charge ma famille de la même façon. Et c'est cette règle que j'ai toujours voulu m'appliquer, dans le sens que ce soit aux urgences ou à domicile. C'est comme si c'est ma famille, donc du coup il faut que je puisse prendre en charge correctement. Après, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a le système aussi a des limites. Je ne peux pas dire que tout est parfait, parce que ce serait mentir. Ce n'est pas vrai, il y a des choses qu'il faut revoir.
Il y a des améliorations à apporter, il y a aussi peut-être des moyens supplémentaires au niveau structurel à apporter, mais voilà. Nous arrivons presque au terme de cet entretien, mais avant, j'aimerais quand même vous poser cette question. Est-ce que cela vous arrive de laisser votre casquette d'infirmière pour en endosser, pour en prendre d'autres, comme assistante sociale ou je sais pas, où vous devez répondre à des besoins qui n'ont absolument rien à voir au départ avec votre métier? Ah mais clairement. Oui, clairement, assistante sociale, diététicienne, bon, je dirais pas pharmacienne, mais voilà, parce que c'est notre rôle propre, enfin, voilà. Donc oui, et puis en fait, nous faisons limite partie de la famille. Parce qu'il nous avons, il y a beaucoup de patients qui soit sont démunis, comme je disais tout à l'heure, soit il y a la barrière de la langue ou culturelle, n'ont pas forcément aussi la possibilité de pouvoir aller dans les bureaux ou autres. Donc oui, nous sommes là pour pouvoir pallier à tout cela. Est-ce que cela ne devient pas parfois un peu chronophage, puisque vous avez aussi des contraintes économiques par ailleurs? Je dirais pas économique. Enfin, il y a les contraintes forcément économiques, mais c'est pas au niveau financier. C'est peut-être la charge mentale. C'est surtout cela. C'est-à-dire que oui, des fois, enfin, quand le patient il a besoin de nous allons pouvoir répondre présent. Mais nous sommes aussi humains. Nous avons aussi des vies de famille. Nous avons aussi nos problèmes. Même si j'aime dire qu'on laisse les problèmes de côté quand on va chez le patient, mais c'est pas toujours simple. Donc c'est vrai que oui, ça peut être parfois difficile quand le patient il y a des faut pouvoir pallier à ses besoins. Personnellement, je vais plus mettre en lien le patient ou peut-être prendre des rendez-vous avec l'assistante sociale à un moment donné. Je peux pas moi venir et faire à la place de la famille ou finalement des institutions. Je peux aider. Mais je suis obligée d'aider dans la mesure de mon possible. Oui, vous avez vos limites. Quel message que vous pourriez adresser à des jeunes qui souhaitent, à l'issue de cet entretien, qui souhaitent se lancer malgré tout dans cette voie professionnelle, et peut-être aussi aux Guyanais en général qui pourraient être amenés à bénéficier de vos services? Qu'est-ce que je pourrais dire aux jeunes que c'est un métier qui n'est pas simple. C'est un métier qui demande énormément, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit voilà, au niveau énergie, au niveau temps. Mais c'est une belle expérience. C'est un métier qui est très enrichissant parce que finalement, nous grandissons dans la vie en étant au contact des personnes et au-delà du soin. Au-delà de la prise en charge, il y a tout cet aspect humain. Et donc, si vous êtes tolérant, si vous faites preuve de rigueur, si vous aimez le travail en équipe, que ce soit au niveau hospitalier ou autre, ou si vous avez l'amour en tout cas du prochain, je vous encourage à venir. Et puis à la population, on peut toujours faire mieux. Mais je pense qu'il faut parfois faire preuve peut-être un peu plus de tolérance et qu'aujourd'hui nous sommes du côté soignant, mais nous sommes conscients que nous pouvons très vite basculer aussi du côté soigné et donc faire toujours preuve d'humilité, je pense que c'est la base de notre métier aussi. Malika Adelson, merci. Merci à vous.